résultats définitifs ne seront connus que dans 3 jours. L'imagerie satellite et l'exploitation des données électriques. Va vous mettre dans la peau d'un agent de renseignement. Un événement est survenu, un essai nucléaire de faible intensité dans un pays fictif, en République occidentale. Et donc, le président de la République, par la voix du coordonnateur national, convoque les 6 services et vous demande à vous de collecter des informations, les recouper, les analyser pour fournir d'ici 48 heures une note de renseignement. L'exposition n'a pas pour but de faire des révélations, c'est plutôt une manière de montrer au public, de démontrer au public la diversité des métiers et des services de renseignement, parce qu'il y a les agences et des agents, il y en a qui font du terrain, on peut faire de la surveillance humaine, il y a des gens qui font du technique, par exemple, sur le terrain, et puis on montre aussi tous les métiers de l'analyse. L'usage de notre système d'imagerie spatiale afin d'effectuer des prises de vue.